Alors, je suis Agnès Etoires, je suis deuxième génération de marchand d'art. Hein. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le métier. J'ai deux galeries. J'ai une galerie depuis 30 ans qui est rue de la Grange-Batelière. Et j'ai une nouvelle galerie qui va s'ouvrir à partir du mois de mars, rue Jacques Callot, dans le 6e. À Paris. À Paris. Et donc là, un de mes coups de cœur, c'est cette gouache de Calder, qui est de 1964. Calder rencontre en 1922 Jean Painlevé, qui est l'un des premiers cinéastes à travailler sur les fonds marins, la vidéo sous-marine. On voit, par exemple, quand vous regardez, on voit comme une sorte d'hippocampe, hein, comme une sorte de poisson bleu et des ailerons de requin, qui peuvent être en rapport les uns avec les autres, avec une distance presque égale. Hein. Chaque objet est vraiment posé dans une sculpture en équilibre. J'ai l'édition de février pour vous. Voilà. Pour découvrir plus de coups de cœur, abonnez-vous à Collecte.